Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul Action. Alors, à la base, j'étais allée chez Action pour trouver, vous savez, les disques de stationnement bleus là pour les zones bleues. Alors, ben, je suis ressortie avec d'autres choses. Voilà, c'était pas du tout prévu. Normalement, c'était juste de quoi remettre des éléments important pour mettre dans la voiture, donc le disque bleu parce que bah, je m'étais garée dans une zone bleue mais j'avais plus de disque parce que ma voiture ayant eu des soucis avec, bah, j'ai changé de voiture et tout est parti avec l'ancienne, donc voilà, donc il fallait le fameux disque bleu que j'ai retrouvé du coup, et il me fallait un kit avec le triangle et le gilet jaune et apparemment il y a une couverture de survie. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir équiper ma voiture avec ça, ce qui est quand même très important. Voilà, mais du coup j'ai trouvé d'autres choses, alors je vous montre ça tout de suite. Alors, point de vue scrap, j'ai trouvé un cahier comme ça de scrapbooking avec 40 feuilles à l'intérieur couleur craft, sauf que je ne m'en servirai pas comme album, pas du tout. J'en ai pris un également en noir avec des feuilles noires, avec 40 feuilles noires. Ça va me servir tout simplement pour faire des bases de cartes ou des bases de découpe couleur noire et couleur craft. Voilà. Donc c'est pas très cher pour 40 feuilles justement, il fallait prendre ça pour et bien pour gagner quoi, enfin pour avoir 40 feuilles quand même ça vaut le coup. C'était moins de 2 euros, c'était 1,80 € quelque chose comme ça. Donc vraiment ça vaut le coup. Ensuite, alors rien à voir avec le scrap cette fois-ci, j'ai pris des petits Smarties pour mes filles. J'ai également pris des petits gâteaux comme ça, des gaufrettes au chocolat. J'ai pris également les nippons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Kinder Country. Eh bien, ça a le même goût, mais pour beaucoup moins cher. Donc, c'est vachement intéressant de prendre ça. Ensuite, j'ai pris une petite panne. Enfin, une petite. Une grande panière, alors je vous le montre en grand plutôt. Hop, voilà une panière comme ceci pour la chambre de mes filles où je vais leur mettre dedans toutes les Barbies qu'elles ont accumulées parce que sinon le panier que je leur avais fait est trop petit, donc on change de taille et puis voilà, c'est sympa, c'est joli. Voilà, ensuite j'ai trouvé. Je remets sur les mains des planches comme ceci de tampons, mais sur le thème de Noël. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. J'en ai trouvé que 4, donc j'ai pris les 4. Voilà. Donc, la première, il y a le petit bonhomme de neige avec une branche de sapin. Un petit nœud, une lanterne, une canne à sucre et une couronne. Une couronne. Voilà. Avec le die assorti et le nœud avec son die assorti. Voilà. J'ai celui-ci, donc avec une étiquette, le ou. Un autre petit nœud. Non, c'est le même. Là, c'est le même petit nœud. J'ai l'impression. Ah non, c'est pas tout à fait le même. J'ai l'impression que là, il y a plus de. Il est plus petit au centre et là, il est plus épais. C'est pas une grosse, grosse différence. Donc voilà. Deux paquets cadeaux et une écriture.
It's the most wonderful time of the year. Of the year. Of the year. Voilà, bon, c'est en anglais, quoi. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Là, je l'ai trouvé super joli, celui-là. Avec les morceaux de cannelle. Là, ça va être super. J'adore. Voilà, ça, c'est très, très mignon. Une bannière. Là, je pense que c'est une fleur de... d'anis, mais je suis pas sûre. À confirmer. Et là, c'est une branche de... Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Et enfin, la dernière planche, donc avec un petit sapin, une guirlande de boules de Noël, la chaussette, une petite étoile, un paquet cadeau aussi, et We wish you a Merry Christmas. Ça, c'est bon. We wish you a Merry Christmas. Ah, voilà. Voilà, donc à la base, j'étais partie que pour ça et je suis revenue avec plein de petites choses autour. Mais c'est pas grave. c'est comme ça. C'est le jeu. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!